Réaliser un par sur 15 niveaux. Ça va. 15 niveaux, j'ai réussi à faire mon par. Souterrain. Il était rongé par la culpabilité et la nostalgie. Mais j'ai trop fort. Les métiers qui rentrent. What? Moi je vais aller voir le cerf, hein. Il va me défoncer la gueule. C'est nul. Remboursé. Le cerf, il sert à quelque chose. Ouais, il sert à faire chier et à te faire des coups pour rien. Contrairement aux autres animaux. Ah, peut-être qu'il va arriver après, hein. Non. Oh non, jamais. Merde. Ça, c'est des trucs qui vont pousser la balle vers le bas. Ok, ça va, c'est pas la mer à boire. Juste que je joue avec. Ah, ceux-là ils sont plus forts peut-être. Bon. Ah, deux en même temps, si. Plus fort. Ok. Ah ouais, ah oui, plus je m'en rapproche, plus c'est. Ok. Ok, faut que je tire. Ah, ils sont pas synchro. Droite. Gauche. Droite. En même temps. Let's go. Voilà. Oh là là! Nul! Merci pour le resub! 15e mois. À popofesse. Mais bien sûr. Un resub de 3 mois. Eh ben, merci beaucoup. Surtout son 15e mois. Pas seulement un resub de 3 mois. C'est surtout un resub pour la 15e fois. Merci beaucoup, Nul, pour la 15e fois. Pour la 15e fois. Bienvenue dans la famille. Et à Popofesse, à toi aussi, évidemment. C'est des bitcoins. Des bitcoins en or. L'acide, pas bien. C'est tout? Parce qu'il faut juste essayer de tirer dans le tuyau. Oh, c'est marrant ça. Il fait un bruit le bitcoin. Et... Tant pis pour le tuyau. Est-ce qu'on... Attends, il va où le tuyau là? Il y a le tuyau vert, pas bien. L'autre tuyau, celui-là. Vas-y, on va essayer. Ah, oh, please. On m'a fait un peu d'effort, monsieur. Et quand tu veux. Ah mais là t'es contre le machin monsieur. Pas d'effort. Ok, tu veux pas sortir d'ici, on va te sortir d'ici. Ok. Tu veux violet? Ok. J'y serais arrivé depuis 4-5 tirs depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est vachement calme quand il n'y a plus personne à la radio. Ah! Ah! Ça, on me l'avait pas dit, il faut faire attention au bout.
au trou avec les ventilations. Oh là 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 là! Excellent. Fossile sous Eiffel. Grâce à ses relations au Golf Club Westland, il s'est offert un voyage en solo. De notre fille Ursula. Ursula. D'ailleurs, Ursula. Oh, ça va finir par péter ce. Ursula. D'accord. Bah moi, évidemment, on me dit de pas nourrir Ursula, donc je vais essayer de évidemment de tirer la balle. Ah oui, il faut pas. Pour voir ce que ça fait. Moi, oh, il va passer où lui? Eh, hey, mais je connais, c'est The Eiffel Tower. Ah, le bonhomme. A tapé dans la grille d'aération. Oh, plus. Ah si. Comme dans la petite. Il y a Ursula, c'était la tante, c'était la pieuvre, c'est ça? On peut plus trop. Oh, je m'arrête au bord. Ah, parfait. Comme ça, on va pouvoir tâtonner de la Ursula. Ça fait quoi, vas-y? Les tentacules noires. Elles sont vertes. Mais c'est vraiment une surface, attends. Attends. Je vais essayer de me mettre dessus parce qu'ils disent do not feed. Je vais essayer de me mettre dessus, genre en mode. C'est pas facile, hein. C'est courbé H24. Enfin, de toute la surface. Ah. Ah, ça va pas être possible, monsieur. Ok, j'ai eu un succès, ne leur donnez pas à manger. Ok, ok, je m'en vais. Non mais ça va là! Attends, mais mon personnage, je vais assurer. Non, c'est bon. Elle a changé, Ursula. Juste un jeu de plateforme. À Tesla City, la gravité n'est pas pareille qu'ici. Un bouton jaune à gauche. Bouton jaune qui ferait quoi? Qui arrêterait de faire bouger les. Ça pousse? Ça pousse. En même temps, à force de faire du mal à tout le monde, elle est devenue un vrai monstre pour le coup. Tu m'étonnes. Je deviens un pro. Ah bah oui, c'est mieux dans ce sens-là du coup. Par contre, c'est durée limitée ou comment ça se passe? Ça va pousser ma balle. Nickel. Ah, trop loin! Trop loin, trop loin. Ça passe quand même. Oh non, mais non, mais non, mais non! Pas si près du mur! Parallax View. Un rat. Prochain arrêt, le trou. C'est mal à taille dure. Ah non, mais non! Ah, ça. Ok.
Le poteau, il bloque quand même. Yeah, on est bon, on est bon. Quelle est la demi-vie de l'uranium? Mais le pilote avait d'autres objectifs. Il voulait revisiter son passé. No groans, no bones. And mental exercise is just as important. So get on down to your local rec center for a dose of mentally stimulating team activities and some delicious omas. Wow, d'accord. Okay. On to our next call. On dirait une map Worms. Money reminds us that one person's pleasure is another person's pain. And that we might not all relax in the same way to the same. Il y a un tuyau là, ça m'emmènerait de là-haut. Passer tout à droite, ici là. Alors dans le mucus là. Pourquoi pas. All these daily routines and protocols about everything we took for granted on Earth are so exhausting. Is it safe to take off your hazmat to breathe? Is the water from all our urine really safe and exhausting? Ah, behavior will trigger a social credit demotion. Yo. Not to mention every sneeze is. D'accord, ce tuyau fait juste une propulsion là. Le tuyau full droite nous amènerait tout en haut à gauche. Quoi faire? No social distancing up here is impossible. But how freaking difficult is it to keep your hands clean? Ah, le tuyau, le tonneau, il ne nous bloque pas, d'accord. Ouais, il nous bloquait. Maybe that's humanity in a nutshell. After all, we walk on the moon before on peut passer, really learning to walk on Earth. I digress. Okay. I just want to say that the effort put into maintaining basic life functions and the state of the art. Où le cosmonaute? À mon avis, ils ont fait pour te faire croire qu'il faut réfléchir comment y aller. Ouais, c'est clair. Non! Ok, on est pas trop loin. C'est un petit peu trop forcé sur les épinards. Mais ça. J'ai l'impression que ça tire plus fort facile sur ces tuyaux. Enfin, ça roule plus en tout cas. Quel? On peut continuer, je pense, à monter là. Et après, on est bon. Tout petit peu trop fort juste pour monter, mais c'est pas grave. Et après, on est bon. I was never a nature person, never really liked hiking or camping. I miss the city. This whole predicament. En plus, j'ai fait un parc. Magnifique. Parc kids for kids. Les nuages, les plantes, les animaux, les ruines, tout était si beau et si triste. And now we're demoted from Earthling to miserable Martian status. So at the end of every day, or I mean soul. I escape into texts I brought along. L'usine de nounours. Canteen coffee and listen to urban sounds I recorded 15 years ago. À quoi à gauche? In New York and London. Rien. Il y a air. You mon flag. Here's the sound of my bicycle rolling down the street. Ah, c'est pas fini. Oh, d'accord. OK, le truc le plus fun ça serait en haut ici. Ok, donc déjà essayons de passer là. L'idée, ça serait d'aller ici. Et même peut-être mieux tout en haut, ça serait bien mieux. Oh, le rat. Coucou le rat! Nickel. Perfecto. Ah ça j'avais pas pensé. D'accord. Bah, du coup ça va peut-être être pas possible. Hein? Ah si c'est bon là. Okay. Go. Magnifique. Et là. Ah bah ça va direct dans le trou.
Mühlenbergie. On dirait presque le nom d'une ville en Alsace. Il voulait respirer l'air à plein poumon, mais il gardait sur lui sa combinaison anti-radiation. Quand même pas. Bah si, Moulin, ça fait très genre allemand. Après, le berger à la fin, non, mais... Parce que je sais pas prononcer en allemand. J'ai les flammes-cuches, on est pas d'accord. Ah, il y a le gosse là-haut. Vous voyez, ça je suis tout à fait d'accord. Là, ça parle en allemand, écoute bien. Il y a le flag. Elle est là. Ok. Bah là, il y a de la route. Hein. Ok, on va essayer d'aller là-haut. Même si je sens... à des kilomètres comme quoi je vais me prendre les blocs là-haut et que ça va tomber dans le vide. Même pas en fait, genre. J'ai déjà ma réponse. On va rester vers le bas. Là, si j'arrive à faire limite une ligne droite avec un peu de chance, oublie que t'as pas de chance et fonce. Genre ça. Des choses imprévues comme ça, ça passe. Par contre, après, c'est le comment. Y a l'idée. Trop fort. Y a l'idée. Ah, un chouïa plus fort. Allez, bon. Trop fort. Oh, parfait. Donc là, grosse patate. Ok, pas grosse patate. Ok. Patate en l'air. Pas assez. Patate en l'air. Oh, please. Patate en l'air. Exigeant, hein. Patate en l'air. Merci. Là, on y va, sans problème. Et après, on est safe, on peut y aller. Là, on peut y aller sans problème. Il y a toujours le gosse qui me surveille, mais bon. C'est avec, hein. Perfecto. Ruine du néo-futurisme. Il se sentait suivi, alors il a inspecté les environs. C'est tout? Ah! J'allais dire, elle est où la complexité? Que la complexité n'est pas forcément dans la map, c'est des fois un problème humain. Ok, là ça devrait être bon. Voilà. Ah, parce que là, si je fais n'importe quoi avec les escaliers, ça va redescendre. Oh,
Et vraiment, je le fais au feeling, ça passe. Hein. Hop. Merci. Faut faire ça là. Je demande le peuple. Magnifique. Là, on peut monter direct. Zip, easy. Après, on va là. Après, on va là. On est bon, on est bon, on est bon. Ouh, au pied de l'escalier, ça c'est pas cool. On va essayer un truc. Je le sens très très bien. Ah, ça passe. Je m'attendais même peut-être à ce que ça rebondisse contre l'escalier et que ça passe à gauche. Ça me perturbe le... Le ponton aussi long. Si je tire trop fort, comment je sens que la balle va continuer son chemin sur l'escalier, descendre cet escalier, descendre cet escalier, descendre cet escalier, descendre. Donc en fait, il suffit juste de pas tirer trop fort en fait. Genre comme ça. Non. Stop. Oh, j'ai eu de la moule. Elle s'est arrêtée sur la marche, quoi. Mais sinon, le scénario, il était à des kilomètres prévus, quoi. Mais il y a du vent, c'est pas possible. Et aussi mon part, quand même. Métro, c'est à ce moment-là que le pilote m'a aperçu. C'est quoi le truc là? Ah, d'accord. Ok, la flaque d'acide, pas bien. Parfait. Et là, il faut aller sur le caillou. Mais là, on a un problème. Ah, mais c'était tout prévu? C'est pour ça que c'était tellement bizarre. Hey les gamins, attends! Tu veux jouer à gauche? Pas à gauche. End of the course. Ok, on aura fini le jeu du coup. No. Là, faut lancer sur l'escalator sans que ça touche les rails. Genre comme ça. Avec la petite musique d'ascenseur qui irait bien. All I need is a pillow to touch the sun. Y'a le gosse qui va me piquer ma balle tout là-haut, qui va se barrer. Radio Nostalgia de Mars. Oh là 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 là. Tision. Succès déverrouillé, ça fait bien de rentrer.
Bah, je lui dirais que c'est fini. Quoi? En bordure du terrain de golf, à l'orée du. Il a marché droit vers moi, à l'extérieur de la zone surveillée. D'accord. Et je bouge. Je marche. Ce bruit de pas, c'est quand t'as ta chaussure qui queen comme ça, c'est genre le truc le plus agaçant, t'as tout le monde qui te regarde. Et une honte de ouf. Quand ta chaussure elle a pris un peu l'eau, qui a fait quick 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 quick. Ah le cerf, il est là. C'est Peter Pan en fait, c'est ça? Il a enlevé son casque et il m'a montré son visage. Stupide, vous me direz. Il se doutait bien que les radiations finiraient par le détruire. Le vaisseau taxi a signalé qu'il partait. Mais après tant d'années à convoiter ce voyage, le pilote n'allait pas repartir. Mourir sur Terre, ça valait mieux que vivre sur Mars. Et il voulait rencontrer ce petit mutant malin, quoi. Alors il est resté avec moi sur Terre. Maintenant j'écoute ces histoires sur l'époque d'avant la grande catastrophe. Nous avons reconstruit la maison. Il m'a appris à lire et à écrire. Il tousse souvent du sang. Je lui demande s'il veut rentrer chez lui. Il sourit. Chez moi, c'est ici. Ah, c'était sympa. Ça me fait penser à un épisode de Avez-vous déjà vu où il y a un gars qui va dans un magasin pour changer le bruit de ses chaussures. Mais il fait des pas, il ressort avec un truc qui fait un pied et baby. Merci à nos familles aimantes de savoir supporter au long de tout le long de ce projet. Non, oh, c'était cool. C'était cool. Ah, c'est ce que je cherche aussi, hein, c'est qu'il y a certains jeux qui sont chill et pas de complexité particulière, juste profiter un petit peu du design, de la façon dont ça a été fait et puis voilà. L'Odyssée de Charlet. 1 sur 55. Officiellement, j'étais un héros national, un des pilotes de la mission sur Mars. En fait, j'ai surtout joué des livreurs d'opérettes. On m'a donné de quoi me tenir à l'écart des rassemblements sous les dômes de Tesla City. Sur Mars, je livrais des trucs du centre public des plaisirs à Tesla City. Mon véhicule était un tas de boue qui tenait à peine la route et je n'arrivais pas à me concentrer, toujours l'esprit embrumé. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était pour le compte à rebours. Un peu fort!
Elle bossait à la tour de contrôle pendant le lancement. Attends, 5 secondes. Un peu fort! J'entends plus parler. Ah, je peux pas baisser le son. Ah, c'est mieux, ça doit être mieux pour vous là. Pour moi, c'est toujours aussi fort, mais pour vous, ça doit être mieux. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était pour le compte à rebours. Elle bossait à la tour de contrôle pendant le lancement. On se reverra bientôt, promis. On est ensemble. Je t'aime en aller-retour pour les étoiles. Je devais revenir 2 ans plus tard pour évacuer toute Alphaville avec ses fusées réutilisables. Ça n'a jamais eu lieu. J'ai été trahi. Je l'ai trahi à mon tour. Elle et 99% du monde. Alors que le temps passait sur Mars, dans mon triste état... Oh la vache, c'est beaucoup trop fort. En train de me... En fait, moi, le son n'est pas baissé pour moi. Je voulais juste baisser pour vous. C'est compliqué. Alors que le temps passait sur Mars, dans mon triste état, je suis devenu le rappel ambulant des promesses rompues, de rêves factices. Dans leur expérience, en manque d'oxygène et de pesanteur, j'étais un risque pour le fragile moral du public. J'ai donc hérité du poste de routier. Je ne pouvais pas participer à l'arnaque de l'humanité interplanétaire, comme l'appelait le PDG de Tesla City. À la place, je me saoulais avec du vin à base de cette pisse recyclée dégueulasse. Et ça a duré des années. Jusqu'au soir où, avec l'aide de mon ami pilote Serge, je me suis introduit dans le vaisseau caddie de Golf Club Westland. Plus tard, Serge m'a dit que le PDG était au courant d'emblée. Au séjour d'avant, un membre éminent du club avait disparu. Dans un sens, j'ai servi d'appât pour les créatures dangereuses apparues sur la Terre post-apocalyptique. Le voyage était long et difficile. Mais j'étais bien décidé à rentrer au bercail. L'entrée dans l'atmosphère était miraculeuse. À l'atterrissage, j'ai fondu en larmes. J'avais l'impression d'un monde nouveau, transformé, avec ça et là des rappels de nos vieilles illusions. Avec mon jetpack et ma combi anti-radiation rapiécée, j'étais un martien en train de revisiter des lieux que je prenais jadis pour acquis. Toi qui me suivais, tu as dû me trouver étrange à vagabonder comme ça. Nos sites industriels étaient recouverts par les veines, les toiles et les rhizomes complexes de la nature, qui enserraient nos 20 projets d'une poigne ferme et organique. Magnifique et triste à la fois. Ceux en dehors d'Alphaville ont péri dans la grande catastrophe écologique, et c'est moi le responsable. Maintenant, les ultra-riches de Mars jouent au golf sur leurs cadavres. Garde toujours Ithaque présente à ton esprit. J'ai fini par revenir sur les lieux du crime, le site de lancement d'Alphaville. J'ai enlevé mon scaphandre et après toutes ces années dans un labo martien confiné, j'ai aspiré une grande bouffée d'air. Puis je me suis assis là où elle s'asseyait dans la salle de contrôle. J'ai fini par sauver ma peau en jouant le rôle héroïque du grand pilote. C'est pile cet égoïsme sous couvert de sacrifices sur l'autel du salut transhumaniste qui nous a conduit à notre perte. À ce stade, je savais que quelqu'un ou quelque chose me suivait. Hein ? Quel choc quand j'ai vu un gamin ! Après des années à entendre les autorités martiennes nous assurer que l'homme n'avait pas pu survivre sur Terre. De la joie, c'est tout ce que je ressens, de la joie.
Je commence à avoir la dalle, gamin. Tu m'apprends à attraper ces poissons mutants? L'environnement me tue. Je n'ai pas ton immunité à ce nouveau monde. Pourtant, je ne pourrais pas être plus heureux. Enfin,